pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 que les Panthères du Gabon doivent affronter les Crocodiles du Lesotho. Un match à enjeu où chaque point compte. Alors, internautes amoureux de football, quels sont vos pronostics d'avant-match? Victoire, défaite, match nul? Qu'en pensent les fans de football? On a d'abord un problème, mais on ne sera pas là. Mais c'est que le Lesotho. Et nous jouons en France à domicile. On sait tous que là-bas, c'est difficile de perdre. Et en plus, si on est mené, la SCG va agir. Vous voyez un peu que... Ah oui, la SCG va agir, mon frère. D'abord, la SCG va agir. Bon, on va aller à 1-2-0 pour le Gabon. Panthère, on connaît qu'on a toujours été déçus d'eux. Du coup, on va faire semblant de suivre la télé. Apparemment, c'est quand on ne suit pas la télé qu'ils gagnent. Mais quand on décide de suivre la télé, on ne voit rien. Mais on va prier. On espère que ça pourra aller avec la transition ou bien que, je ne sais pas, un but peut rentrer avec le vent. Bon, on verra bien. Bon, c'est un peu mon point de vue parce qu'on connaît comment ils se comportent. À l'extérieur, ils bombent et ici, là, ils font les choses comme s'ils marchaient. On connaît. Si c'est pour le score, hein, on va quand même mettre 5-1. Bon, quand je parle de 5 là, c'est contre les Panthères. Hein, parce qu'on connaît comment ils jouent. Donc du coup, on ne s'attend à rien. Bon, on ne va même pas suivre le match. On sait que ça va passer, mais on va attendre les scores à la fin. J'ai pas de score. Bon, si il fallait maintenant que je parle en faveur des Panthères, je dirais 1-0. Bon, pénalty quoi. Il n'y a plus de joueurs qui sont en forme en club. Donc pour moi, les Panthères ont gagné. Y a pas de doute. Je vais dire 2-1. On a quand même une chance de gagner, vu que nos joueurs sont quand même en ce moment un peu en forme. S'ils sont déjà arrivés à ce niveau, c'est qu'ils ont des capacités de gagner ce match. Donc, on garde espoir, on va essayer de mettre un peu les organes, mais pas trop. Alors, le score, disons, c'est beaucoup, c'est quand même 2-0. Donc, d'abord, en matière de football en Afrique centrale, fait partie des grandes équipes en Afrique centrale. Et je ne vois pas les autos. Nous battre chez nous, malgré l'absence de Pierre Américo. Déjà, on va dire que le Gabon a un très bon effectif. Le Gabon a un très bon effectif. Même si, bon, l'effectif sur le papier, ça va, mais après sur le terrain, c'est autre chose. Mais sinon, le Gabon a un très bon effectif. 2-1, le Gabon. J'ai confiance en l'équipe, j'ai confiance en nos Panthères. Je sais que sans Aubameyang, on peut se débrouiller. On a Levina, on a bon Denis Bonga. On peut le faire en tout cas. Si on a une bonne cohésion, un bon jeu, on s'entend, si l'équipe s'entend bien, ça peut le faire. J'ai confiance en tout cas, je sais qu'on va gagner. 2-0. Pronostic d'avant-match. Défaite, nul, victoire à vos claviers. Et surtout, n'oubliez pas de rester toujours connecté sur News Live.